Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 37 de la série Hardcore, la série où je suis déjà ressuscité une fois, où j'ai déjà ressuscité une fois, je sais même pas, tiens, je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais c'est pas grave, il va falloir faire plein de choses pour vous, alors je me suis fixé 2-3 objectifs sympas, on va voir ça ensemble. Bon déjà, faut que je mette des torches un peu partout là, parce que la nuit c'est la catastrophe, même si je dors la moitié de la nuit, par contre je vais peut-être baisser un peu la luminosité, voilà. C'est vrai qu'avec les shaders, ça envoie du poney. Alors, on va regarder s'il me reste des torches en stock. J'ai pas beaucoup de charbon non plus. Faudrait peut-être que j'aille en chercher. J'en ai peut-être plein en bas. Hein. Je dis ça, mais ouais, j'en ai plein, ça va. Alors, on va se faire quelques torches. Là, du bois. Bien sûr, j'en ai pas. Il faut que je remonte si là. Mais ça ferait peut-être pas assez. Il va falloir que je déleste aussi un peu mon inventaire parce que j'ai souvenir qu'il y a un village PNJ là-bas au fond. Alors, pas celui qui est ici à côté, hein, bien évidemment. Mais un peu plus loin là-bas. Et j'aimerais bien aller y faire un petit tour, voir ce qui s'y passe parce qu'on m'a donné un défi qui peut être intéressant. C'est de faire. Alors, je vais le faire un peu de manière fourbe, hein, bien évidemment. Hein. Sinon, il n'y aurait pas de raison d'être là. Je vais essayer de faire du commerce avec les PNJ. Alors, ceux qui sont là me donnent pas grand chose, mais je me souviens qu'il y a un village là-bas dans le désert derrière qui me plaît bien. Donc voilà, je vais aller faire un tour là-bas. Bon, pour l'instant, je vais délester un peu à la cheats, hein, un peu n'importe comment. Et je prendrai quelques munitions de base, on va dire, pour aller faire du commerce avec eux. Ça j'ai pas besoin, je vais garder ça, je vais garder parce que je sais pas pourquoi mais je sens bien que les PNJ veulent bien du blé. Il me semble qu'ils nous donnent des choses contre du blé, des panneaux, j'en aurais pas besoin. Si, de la terre je vais quand même en garder un peu, on ne sait jamais. Glowstone non, surtout pas, on va pas garder ça. Blé, alors on va fusionner le blé déjà. C'est dommage, j'ai pu remis le plugin qui permettait de stocker l'inventaire, de ranger l'inventaire. Voilà. Alors, on va déjà se préparer quelques petites torches. 25 x 4, on a au moins pour 100 torches, donc c'est bien. Allez, qu'est-ce que je vais... Ah, j'avais encore du charbon dans... D'accord. Je vais prendre un peu plus de charbon avec moi, on ne sait jamais. J'ai du fer, j'en ai pas assez pour faire du marché avec eux. Qu'est-ce qu'ils pourraient prendre les PNJ? Du blé, je vois bien. Du fer, je vois bien. Peut-être du charbon, je sais pas. Je me souviens plus trop ce qu'ils veulent. De la bouffe, je pense pas. Si, peut-être, mais de toute façon, j'ai pas assez de bouffe. J'ai des cookies, mais ça m'étonnerait qu'ils prennent des cookies. Qu'est-ce que. C'est pour ça que je me récupère des vaches aussi au passage, donc raison de plus pour prendre du blé avec. Surtout que je pense que là-bas. Ouais, là-bas, c'est pas poussé. Alors, encore plus. Pardon, oula. C'est la digestion du repas matinal. J'ai pas assez de blé. Bon, les boutons, j'en ai assez. Là-bas, je pense qu'il y a des cochons. Ouais, ils sont. Pas tout chargé, si ça y est. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? De la bouffe, j'en ai assez. On va manger un petit truc d'ailleurs, au cas où. Ok. Paye tes buges. Et on va torcher un peu ce bordel. C'est vrai qu'il y en a un qui me disait un truc qui était magique dans les commentaires, mais c'est vrai que c'est tellement logique que j'y pensais pas. Qu'il faut torcher en fait mon champ de canne à sucre. D'ailleurs, il faudrait que j'en récupère sur le passage, j'espère en trouver sur le chemin. Parce que c'est vrai qu'il y en a toujours un peu partout. Oh bah ça a bien poussé, dis donc. Ça a bien poussé. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai pas de seau sur moi. Alors je vais pas faire un aller-retour, ça me saoule de faire des allers-retours tout le temps. Je vais pour l'instant juste torcher pour voir le troisième étage. Voilà, ok, paye ta flotte. Je vais torcher un petit peu, je pense que ça suffira pour le moment. On va torcher un peu toutes les zones là, parce que c'est vrai que, bon là c'est bon, il y a un peu de... Ok, il y a un peu de light ici, mais la nuit je pense que ça doit pas être terrible. On va torcher le chemin aussi, qui doit être bien sombre. C'est vrai que maintenant avec les shaders on voit bien les manques de lumière, parce qu'ils les gèrent mieux que la version d'avant. Alors je suis toujours sur la version bêta, hein, sur une version bêta là que j'ai trouvé sur YouTube, qui est vraiment exceptionnelle. Mais la version finale n'est pas encore sortie. L'auteur avait des petits problèmes de PC, donc il a pas pu, pour un moment il a pas pu continuer à développer le mode. Mais bon, ça reste quand même exceptionnel, quoi. Hein, je veux dire, même si c'est une version bêta, on peut pas du tout se plaindre. Alors j'ai souvenir que c'est un village PNJ qui est dans le désert là-bas. On va essayer d'y aller. On va essayer d'aller là-bas. Qu'est-ce qu'on en est au niveau de la journée? Mi-journée. Ouais, j'ai de quoi faire quand même. J'ai toujours mon armure. Ah, par contre, j'ai un souci, je ne vois pas le temps de la vidéo. Voilà, ça c'est fait. Je déplace une petite fenêtre qui est sur mon écran de droite. Voilà, 5 minutes, ok. Il faut que je garde le chrono quand même devant moi, histoire de pas vous faire un épisode qui dure 30 minutes, bien évidemment.
30 minutes, c'est un peu trop. Je me base en fait sur ce que j'aime bien moi quand je regarde les autres. 20 minutes, ça me paraît pas mal. Surtout que avec mon fournisseur d'accès, les vidéos sur YouTube en HD ne se chargent pas très bien. Hein, faut dire ce qui est. Et oula, ah bah voilà, ça c'est fait. Bon, on va. Mais je perds vite en fait. Il faut que je me récupère de la vache hein, parce que ou du cochon aussi. Du cochon, j'en ai. Il faudrait que je me fasse des steaks de cochon parce que je perds beaucoup. L'alimentation s'épuise très vite en fait quand on mange du cookies. En fait non, ma phrase est pas juste. C'est-à-dire que lorsqu'on récupère ces petits jambons là en bas, les petits jambons se consomment très vite lorsqu'on s'est alimenté avec lorsqu'on s'est alimenté avec des cookies, et ils se consomment moins vite quand on mange du cochon cuit ou ce genre de choses. Et parfois c'est un peu contraignant parce que regardez, je viens de manger et ma bouffe vient déjà de perdre 2 cœurs. Bon, je cours, c'est sûr, mais avec du cochon ce serait pas le cas. Donc il faudra que je continue l'exploitation. Oh là, j'ai cru voir de la canne à sucre là-bas. Ah oui, il y en a quelques-unes là, on va récupérer. Surtout que j'ai de la place dans l'inventaire, autant en profiter. Ça me servira. Donc c'est parti, on va récupérer ça. Ah ouais, il y en a quelques-unes quand même, c'est bien. Alors, j'espère que j'avais pas fait tomber dans l'eau. Non, c'est bon. On va récupérer celle-là. Cactus, j'aurais pas trop besoin. Je pense pas. Enfin, j'ai pas l'intention pour l'instant de faire de la déco tout de suite. Vu que je suis pas très très bon en déco. De temps en temps, j'ai une idée sympa, mais c'est plutôt rare. Donc, je vais pas. La canne à sucre, elle est encore là-bas. Et il y a notre village qui apparaît. Voilà, j'avais bien souvenir que c'était là-bas dans le désert. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Alors comme toujours, merci pour vos dizaines et les dizaines de commentaires, hein. Ça fait toujours plaisir de voir que vous suivez. Ça me motive à continuer. Ah, j'ai pas perdu. Non, ça me motive à continuer. Hein. Ah mais il y a de la canne à sucre partout, c'est vachement bien ça. Je vais pouvoir augmenter la taille de mon champ. J'ai perdu en luminosité. Ah non, mais en fait le soleil il se couche déjà. Oh zut, c'est pas vrai. Ah oui, il y a de la canne à sucre un peu partout là. C'est bien ça. Je vais tout leur rafler. Je vais faire mon gros rapia et puis on va voir ce qu'on peut commercer avec eux. Ça aurait été bien d'apporter un lit avec. J'ai pas pensé. Ouais, mais en même temps, j'ai des moutons à côté. J'aurais dû prendre un lit avec. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi, pour donner de l'émeraude? 18 blés. Bah voilà, je savais. C'est bon, ça. Alors, on va en consommer un petit peu. Comment je fais? Comme ça? Ok. On va prendre tout ce qu'on peut. D'accord. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus de blé. 3 émeraudes. J'en ai déjà quelques-unes. Est-ce que eux acceptent autre chose? Oh, ceux-là, faut que je les récupère. Ceux-là, faut que je les récupère pour faire des flèches. Heureusement que j'ai encore un peu de blé, du coup. 7 émeraudes, une pelle en diamant. Non, ça va aller, merci. Toi, là-bas, que veux-tu? Alors, ce qui est vachement bien, c'est comme cette zone, je n'y vais pas, elle n'a pas été graphiée. Oh, zut. Et émeraude pour avoir du flint. Non, ça va aller. Comme j'ai pas chargé cette zone très souvent, les zombies n'ont pas encore attaqué... Non pas, putain, il est poule partout là. Les zombies n'ont pas attaqué le. Il doit y avoir un truc là. Non, j'avais déjà tout pris. Toi, je suppose que tu es le même. Oui. Non, ça je veux pas. Bah de toute façon, il y a du blé là, je suis con. Mais si je leur prenais tout leur blé. Ah, il y en a un là-bas. Donc on voit bien que la zone n'est pas chargée puisque le blé n'est pas poussé. Hein. Donc ce qui avant. Putain, j'ai déjà faim, c'est incroyable. En plus, je vais arriver en pleine nuit, ça va être catastrophique. Oh là là, j'aime pas ça parce que la nuit, hein, vous vous souvenez, la dernière fois que j'ai combattu un peu la nuit. Oh là, non, pars pas, reviens là. Une émeraude pour cette. Oh non, ça j'en veux pas. Eh, quoique, je pourrais avoir des melons. Si, ah ouais, alors ça c'est un bon commerce là. Pour une fois que les PNJ m'apportent quelque chose d'intéressant, je vais pouvoir faire mon champ de melons. Pardon, je me suis laissé emporter. Ouais, le champ de melons, ça c'est exceptionnel. Je vais pouvoir. Putain, par contre, ça m'embête qu'il fasse nuit là. Ils ont pas de lit chez eux, je suppose. Ils dorment pas, ces cons là. D'accord, la lumière vient de s'allumer d'un coup. Bon, version bêta hein, des shaders. Hein. Faut pas oublier ça. Y a pas encore un PNJ qui se cache. Des poules, il y en a, ouais, mais. Montons par ici pour voir. Des poules dans le lac. PNJ. J'ai fait les deux là? Oui, hein. Je crois. Oui, j'ai fait celui qui était au bord de l'eau. J'ai fait celui qui était là-bas au fond. J'en ai fait 4 en tout. Hein. Oh là là, c'est dommage. Ils auraient pu me proposer d'autres trucs au niveau commerce, quoi. Bah ouais, sinon il faut que je revienne avec un tas de blé. Celui-là, je crois que je l'ai déjà fait. Tiens, je sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Je perds la tête, dis donc. Ouais, gravier, ouais.
Oh là là, il y a des mobs partout. Il y a des mobs partout. J'ai pas de laine pour faire un lit. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Je vais pas rentrer et revenir parce que là, j'aimerais bien prendre les poules avec. Et je reste une cible de premier choix. Je reste une cible de premier choix. Toi là-bas. Il y en a un deuxième ici. J'essaie de voir si j'en ai pas loupé un, mais je crois que c'est bon. Hein. De toute façon, il y a peu de maisons, donc... Oh là 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 là, ça y est, creeper, ça y est, ils arrivent. Bon, là, ça va être la catastrophe toute la nuit, je crois. Enderman, je vais plus trop les toucher, hein, ça c'est sûr. Bon, allez, toi, je vais essayer de te combattre. Hein. Il faudrait que j'enchante... Oh non, non, non! Oh non, on détruit pas le village! Oh non, zut! Oh, c'est pas vrai, le beau petit village. En plus, si je reste coincé là-dedans. Ah non, c'est une catastrophe la nuit. Je sais pas trop comment je vais faire, moi. Je suis désolé, je vous fais patienter avec une hésitation. Allez, on va récupérer un peu de canne à sucre du coup. Ça me permettra de bouger et de faire des choses. Il faut que je fasse attention aux creepers, absolument. Aux Enderman aussi. Bon, les zombies et les squelettes, ça va encore, je gère. Ouais, mais par contre, il faut que je mange. Putain, j'aurais dû prendre autre chose à bouffer. Ça m'apportera pas grand-chose. Le melon, j'y touche pas. Hors de question. Ça, je mettrai en plantation. Bon, c'est sûr, je pourrais en garder qu'un, mais ça va prendre une pompe pour les faire. Alors que là, ça va aller un peu plus vite. Putain, il y a de la canne à sucre partout, là. Ça, c'est bon, ça. Vu que j'avais toujours en projet de me faire une petite bibliothèque, hein, pas le truc trop violent, parce que sinon, ça va prendre 3-4 épisodes à construire. Vu que j'en ai déjà fait dans mes parties solo et que ça m'avait pris des soirées complètes. Donc, c'est pas le but non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a encore? Alors, c'est vachement bien cette carte parce que ça me permet d'avancer sans me perdre. Oui, je sais, il y en a qui me l'ont déjà dit, c'est un peu cheaté, mais c'est ma partie, je fais un peu comme je veux. Et puis, vu que je suis nul en hardcore, hein, vous avez pu constater, première nuit avec combat, je suis mort. Je pense que c'est peut-être mieux que je me protège avec une map pour pas me perdre. Parce que sinon, ça risque d'être délicat quand même. Je vais vite me paumer quelque part et finir la maison. Alors, là-bas, je les vois, les petits filous. Alors, heureusement, avec la nouvelle, alors ça on prend, on se casse. Avec la nouvelle IA, il y a quand même des choses sympas, c'est-à-dire que tant qu'il nous voit, oh squelette là-haut, oh lui il va venir me voir, lui il va venir me voir, ça y est, ça commence à puer du cul. Avec la nouvelle IA, tant qu'il nous voit pas de près, ah oh, une poule, ah oui il y en a partout, ah mais je suis nouveau village, j'avais pas fait gaffe, faut que je gaffe qu'un creeper me tombe pas sur le coin de la geôle. La nuit, elle en est où? Ah, oh, elle est à peine là, elle n'est même pas la milieu de la nuit. C'est pas vrai, quelle catastrophe. C'est pas vrai. Ah, squelette zombie, qu'est-ce que je me fais? Squelette zombie, on peut se faire squelette et zombie, allez, tiens, pour le fun. Oui, bien sûr. Allez, meurs, meurs. Putain, j'ai quand même une épée en diamant, il leur faut je sais pas combien de coups, quoi. Alors, j'ai hâte quand même que... qu'il y ait la 1.4 la 1.4 qui sorte parce que bon même s'il faut que j'attende encore pour les shaders tout ça hein, tiens je fais un peu le sadique, ça c'est déjà mûr, je vais le prendre hein, pour une fois hein. Je l'ai pas pris sur les autres sur l'autre village qui est près de chez moi donc on va dire que je me permets de prendre celui-ci. C'est moins salaud que si j'avais vidé l'autre hein. Surtout que celui-ci on va dire on va utiliser les propriétés du jeu, n'est pas chargé pendant la moitié de merde, n'est pas chargé pendant la moitié du temps donc c'est pas aussi grave. Qu'est-ce que j'ai comme blé? 24. Non, je sais plus où il en voulait quand même un petit paquet hein, par moi une émeraude. Une émeraude, je pense que c'est. Tiens, encore un. Je vérifie à chaque fois si j'ai bien les mêmes. Des fois qu'il y en a un qui me sort de je sais pas où. Tiens, meurs-toi là-dedans avec les poules. Je vais essayer de pas tuer trop de poules. Tain, c'est chiant qu'elles soient là-dedans parce que. Il faut que je les ramène avec moi demain. Bon, minuit. Minuit, on est à la moitié de la nuit. Allez, bon, toi tu m'as vu. On va essayer de. Flétrir la tête. Non, 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 non. Putain, mais ils volent pas loin. Hein. C'est incroyable. Hein. Les coups critiques sont plutôt rares hein, depuis la 1.3, je trouve. Ils ont qu'un minuscule champ de blé. Non, mais c'est une blague. Oh, d'abas. Oh là là, ça y est, je me fais commencer à me faire percuter. Et surtout que je n'ai... Bon, allez, il faut que je monte un peu là-haut. Je vais me mettre en protection là-haut pour l'instant. Je n'ai pas de... Putain, la bouffe, elle descend à une vitesse pas possible. Donc, je me régénère... ma vie se régénère très peu. Ça c'est une problématique hein. J'espère que le melon c'est pas le même souci. Je me souviens plus des valeurs de régénération du melon. Mais alors tiens, il y a un truc étrange, c'est pourquoi les PNJ restent dehors la nuit? Il me semble que normalement ils rentrent se protéger. Il me semble, fut-il. Oh là là là, toi t'es carrément rentré là-dedans. Non, c'est pas grave, t'es mort.
Du coup. Et toi, est-ce que je peux te charmer avec un peu de blé? Non, me dis pas que j'ai. Ah non, ça c'est la canne à sucre. Alors le blé, qu'est-ce que ça donne? Tu m'aimes avec le blé? Oui, t'as l'air à fond là. Ou pas. Alors, ok, bon bah toi t'es là. Je suis malheureusement obligé de te trouer la peau, toi aussi. Faut juste que je fasse gaffe aux creepers parce que. Enderman, ça va, il n'y a pas l'air d'en avoir. Les araignées, elles restent loin. C'est cool. Les flèches, il me faut des flèches, hein, parce que j'ai pas d'arc. Et il serait quand même bien d'en faire. C'est pour ça que je vais ramener des poules avec moi. Au moins deux, quoi. Au moins deux. La nuit, elle en est où? Ah, ça baisse. C'est bien, j'arrive à tenir. C'est cool, c'est cool. C'est cool. J'arrive à tenir. Moi qui suis plutôt mauvais en PVP, en survie et tout ça. Ok, paye ta chute. Je pensais arriver de l'autre côté. C'est qui me proposait encore contre du blé? Il faut juste pas qu'ils m'en prennent trop. Alors, un, je peux encore. Une émeraude, pardon. Voilà, ça c'est fait. Non, 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 récupère le blé, récupère le blé. J'ai besoin du blé pour au moins deux, là. En plus, le chemin est plutôt long, donc. Ah, quoique, je suis en train de récupérer des œufs. Des œufs. Il y a peut-être moyen que j'en fasse deux. Tain, mais la probabilité d'en avoir deux est plutôt limite. J'essaierai quand même d'en ramener. Avec moi. Oh, heureusement que t'as pas visé correctement, toi. En plus, deux, je n'aime pas ça. Voilà. Alors, ça, c'est surprise. Allez, troisième coup et tu meurs. Voilà, ça, c'est fait. Les œufs. Allez, on récupère les œufs. Ça, c'est bon, j'avais pas pensé aux œufs. Un petit œuf, s'il vous plaît, madame la poule. Ouh, il m'a fait peur, lui. Il se barre. Zombie méchant, zombie caca. Tiens, si je te jette sur le cactus, non? Alors, encore des œufs. Encore des œufs. Là-dedans, je suppose qu'elle lâche pas d'œufs. Si, il y a plein d'œufs là en bas. Je vais aller descendre dès qu'ils commencent à faire. Enfin, quoique, je crois pas que les zombies vont entrer là-dedans. Allez, on va voir. Oula, c'est la nuit complète là. Il y a de l'XP, j'ai pris des œufs et je ne sais pas comment je vais sortir. Ça va être bon parce que je ne peux plus sortir. Quel con. Oh là 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 là. J'espère que. Ah, j'ai une piquette. C'est vrai que j'ai même pas regardé avant de partir si j'avais une piquette. Oh là là, une araignée en haut. Mais tu veux jouer le héros, toi? Mais t'es pas net ou quoi? Bon, on va sortir par là. Une araignée, c'est bien. Allez, donne-moi du fil, je pourrais peut-être faire un arc. Un fil, ouais, avec un fil, je vais. Ouh, paye ton budge. Ah, mais t'as quand même réussi à me mettre un coup instantané, quoi. Ça, c'est le délire complet sur Minecraft, quoi. Les mecs, en instantané, ils te mettent une bastos, quoi. 8 œufs. 8 œufs, est-ce que c'est valable pour deux trucs? Je sais pas. Bon, le jour revient, on va essayer de. Je pense que là, on peut envisager le retour. Les mobs vont finir par cramer. Oui, surtout que là, le soleil est en train de se lever. Avec le shader, on dirait qu'il y a pas beaucoup de luminosité, mais sans le shader, à mon avis, il y en a déjà plus. Voilà pourquoi on voit plus trop de mobs autour de nous. Sauf les araignées qui meurent pas au jour et tous ces genres de choses. Alors, est-ce que tu crois qu'on peut envisager un chemin long avec toi, poulette? Tu crois? Et toi? Tu viens aussi? Allez, bah on va essayer. Bon, bah si je ramène plus que deux, ça sera quand même bien. On va essayer de pas croiser de creepers qui ne meurent pas non plus. Combien j'en ai? Non, ah non, va pas falloir commencer à se perdre, hein, les cocottes. Bah viens! Pourquoi tu. Hé! Wouhou! Tu as coup de pied au cul, c'est ça? Elle se barre. Et elle se barre. Bon, il faut essayer de choper les autres, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah ça y est, maintenant elle se. Il faut que je les regarde tout le chemin ou quoi? Non. C'est pas très sécuritaire, ça. Oh là, il y a une grotte pas loin. Oh là. Allez, venez les pépels. Les pépels. Les pépels, je veux dire, les poupoules, ça donnait les pépels. Hein. Les pépels en diam. Bravo. Allez, viens des. Oh là, ça va mettre deux plombs. Bon, on se quittera lorsque je serai arrivé avec les poules dans l'enclos. Ça fera un épisode qui sera bien au-dessus de 20 minutes. Allez, viens des. Allez. Oh là 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 là, le chemin du retour va être super long, c'est incroyable. On n'a pas fini. Bon, sinon, profitons pour parler un peu. Il y a toujours la breluche dorée que vous pouvez écouter. Alors, je vous ai mis le lien dans le 34, je crois, 33, 35, 36. Je sais plus, c'est dans l'un des épisodes précédents. J'avais oublié de le mettre tout de suite, on me l'a rappelé dans les commentaires.
Donc voilà, ce serait. Allez jeter un œil, hein. Enfin, allez jeter une oreille plutôt, c'est plutôt pas mal comme truc. Enfin, je pense, hein, bon, ça m'a bien fait marrer. Fait par Walter Proof de l'inaudible.com. Excellent Waterproof qui nous fait la breluche dorée. Donc allez jeter une oreille, c'est super sympa. Stay Geek Radio aussi, la prochaine radio qui va démarrer en octobre, quand on aura résolu tous les bugs. Il y a quelques trucs qui manquent encore, mais ça va bientôt commencer. Où j'animerai une émission avec. Ah bah tiens, du coup je rameute toute la population là. Où j'animerai une émission avec Benzen et Devil. Ils seront peut-être pas là en même temps, je sais pas encore comment je vais organiser ça. Ah ouais, du coup là j'ai tout le monde qui vient avec moi. Ah bah c'est bien, ça va me faire du monde. Ah oui, ça va être sympa. Alors par contre, pour faire la séparation des animaux après, ça va être terrible, mais je crois que je vais tout mettre dans un enclos et basta. Hein. Donc je disais, j'animerai avec Devil et Benzen une émission sur les mises à jour de Minecraft, donc les snapshots, hein, puisque vous savez que on a plus de snapshots que de mises à jour. On décortiquera ça ensemble, ce qu'on en pense, ce qu'on en pense pas, enfin ce qu'on en pense pas, que je raconte, oui, ce qu'on en pense, comment on a trouvé le truc, et puis pourquoi pas faire intervenir certains d'entre vous sur votre avis. Alors moi je veux juste les poules, hein. Après le reste, si vous paumez, c'est pas mon problème. Votre avis sur cette mise à jour, enfin sur ce snapshot, voir si ça vous convient, ça vous convient pas, voir ce qu'il y a, ce qui peut être important de. Putain, je repère la moitié sur le chemin, je vais arriver, il y aura plus que. Tant que j'ai les deux poules à la limite, c'est l'essentiel. Il va falloir que je passe la crevasse, ça va être bon ça. Les deux poules, les trois poules. Allez, venez les trois poules. On va squatter un peu ici. Allez, viens deux. J'ai mes trois poules, on peut continuer. Les autres, je m'en fous, j'en ai assez dans l'enclos. J'ai perdu une poule, non, viens là, mais viens là, ça, sacré. Bon allez, ça fera deux, il faut juste que je perde pas les deux dernières du coup. Ouais, c'est limite là. Mais barrez-vous les cochons là, je vous veux pas, allez, barrez-vous, j'en ai plein là-bas. Mais barre-toi, je t'ai dit. Ils sont chiants, c'est con. Bref, qu'est-ce que je vais devoir, oh mon dieu, je vais devoir passer tout ça. J'aurais dû passer par là-bas. Bah allez, venez par là. Bon, un œuf. On récupère, parce que on sait jamais. Des fois que mes poules se cassent la gueule dans un ravin ou autre chose. Oh là là, viens, au lieu de faire des œufs. Technique le retour quand même, hein. Technique, hein. Et surtout très chiant, hein. Rien d'intéressant. Oh là là, comment je vais passer ça? Je me souviens plus par où je suis arrivé, moi. Ah si, là-bas, on peut monter. Oh, on va faire un petit escalier. Oui, surtout que c'est par là que je suis descendu, je crois. Je me suis brisé un petit coup les jambes. Ah oui, il y a moyen là. Faut juste qu'elle soit assez intelligente pour monter. Oh là là, ça me paraît mort. Mais oui, c'est à cause des cochons là. Alors, on va essayer de pas tuer les poules parce que. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, elle s'est barrée maintenant. Oh là là, quelle catastrophe. Reviens. Bon, j'en ai une. Chaque fois j'en ai une de moins. Alors l'autre elle est montée, elle s'est barrée. Il faut au moins que je récupère celle-là. T'es où? Viens. Ou sinon j'essaye qu'avec les œufs. Il me faut. Combien j'ai d'œufs? 10. Il me faut une poule sur 10 œufs quoi. C'est viable ça. C'est faisable. Au pire, je reviendrai en chercher soit en off, c'est-à-dire sans filmer, soit. Allez, mais bon sang, t'as un petit truc là. Et toi, casse-toi, j'ai dit. Casse-toi. Ah ouais, mais du coup, à chaque fois que je prends l'arme, je perds ma poule qui met un certain temps à reprendre. Oh là là, quelle catastrophe. Bon, allez, je vais essayer, mais... Non, il faut que je la reprenne. Allez, viens. Il faut que tu sois fan de mon blé. Youhou, regarde, j'ai du blé. Viens. Allez, viens. Voilà, saute, envole-toi, ce que tu veux. Faut pas que je tape. Si je tape les cochons, faut que je les tape à la main parce que quand je change, quand j'enlève le blé. Oh, c'est pas vrai. J'avais pas calculé ça. Ouh, viens. Ouh. Allez, descends, au fur et à mesure, viens. Pourquoi elle fait un tour sur elle-même à chaque fois qu'elle descend d'un niveau? Bizarre ça. Allez, on est plus très loin. Putain, j'hallucine parce que dans Minecraft, on peut mettre des montagnes dans sa poche.
des montagnes complètes, hein, vu les stacks de bouse qu'on peut prendre. Mais pas possible de foutre une poule temporairement dans un sac. C'est incroyable ça. Hein. Allez, 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 allez. Elle est plus très loin. En plus, j'ai plein de trucs à mettre dans le champ. Donc, vous voyez, en plus, ça a très bien marché la technique avec la lumière. J'avais complètement zappé ce truc. C'est vrai que, bien évidemment, il faut de la lumière. Oh là là, maintenant, il faut que je la... Où est-ce qu'elle est ? Putain, j'ai peur. Il faut que je la fasse passer dans le labyrinthe, là. Dans tout ce labyrinthe, là. Ne saute surtout pas, là, dans la crevasse. Sinon, j'aurais fait tout ce chemin pour rien. Allez, viens. Viens, coquine. Copine, plutôt. Hein. Allez, allez, on n'est pas très loin, vite, j'ai un épisode à terminer, tu comprends pas ou quoi? Sacré chemin que je lui ai fait prendre, hein. J'espère que les 10 œufs vont me donner au moins une poule, parce que alors là, j'ai l'air con. Hein. J'aurais vraiment l'air con. Alors, allez, on y est presque. Je vais échapper à 36 moutons en sortant. Ah non, 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 quel con, j'ai enlevé le blé de ma main. Quel con, viens là. Allez, réintéresse-toi au blé. Mettre un certain temps hein, quand même. Hein. Je sais pas si c'est un bug de développement. Ah, non, 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 où tu vas? J'ai cru qu'elle allait suicider la copine. Allez, la barrière, elle est où? La barrière, on est tout près de la barrière là, ouais. Allez, viens, rentre. Allez, suis-moi là. Allez. Mais c'est une blague! C'est une blague sans ça faire. Alors je dis avant, faut pas que je fasse un épisode de 30 minutes et. Bon, ouais, oui, j'ai la moitié des cochons qui. Des moutons qui sortent. Allez, viens! Viens! Mais c'est pas vrai! Allez, voilà, maintenant j'ai les cochons qui sortent. C'est une catastrophe. Allez, rentre, c'est à cause du cochon! Elle est à cause du mouton, elle est bloquée à cause du mouton! Rentre. Elle est dedans. C'est la victoire. Toi, tu restes dehors et tiens, parce que t'es sorti. Hein? Il y en a marre maintenant. Voilà. Je m'énerve tout seul, tout est normal. Allez. Allez, priez pour moi. Oh là là. Oui, j'en ai même trois. Bon, maintenant il faut attendre qu'elle grandisse et tout ça. Donc on va essayer de sortir. Casse-toi. Tu m'as gavé, toi, avec tous tes potes là, qui prennent rien à la vie. Qu'est-ce que ça donne niveau luminosité du coup? Ah, il y a le pont aussi à faire. Bon, on fera tout ça dans un prochain épisode. On est déjà à 27 minutes. Oh là là là, 27 minutes. Vous avez un épisode bien plus long que d'habitude. On va remonter là-haut. Et on va se poser et on va se laisser ici. Alors en tout cas, merci de suivre tous les épisodes, ça me fait super plaisir. Et je vous dis, on se retrouve à l'épisode 38, c'est l'épisode qui est la suite du 30. Voilà, à l'épisode 38, voilà, à plus, bye bye.